Hello les amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une organisation et rangement de buanderie aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous plaira et je vous dis à tout de suite. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons organiser toute ma buanderie. Je me suis inspirée de l'application Pinterest, j'ai adoré cette planche en bois au-dessus de la machine à laver et du sèche-linge. Je trouve que c'est hyper fonctionnel et au niveau esthétique c'est beaucoup plus joli avec des petits bocaux en verre où on mettra à l'intérieur la lessive. Voilà, il y aura tout plein de choses et très sincèrement je trouve que c'est beaucoup plus joli, donc j'ai beaucoup regardé et je sais exactement ce que je vais faire dans ma petite buanderie. J'ai même commandé les petites bouteilles qui vont avec et bien sûr vous retrouverez les liens en barre d'adresse. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'odeur du café est enivrante dans la maison. C'est mon petit moment à moi, mon calme à moi, avant de démarrer une journée bien chargée. Donc j'en profite pour préparer ma petite feuille de to-do list et de programmer ma petite journée. Un plaisir pour moi de faire ces petits vlogs avec vous, de vous emmener avec moi, partager mon quotidien. En fait, pour tout vous dire, hier soir j'ai mon lave-linge qui m'a lâché. J'ai regardé un petit peu sur internet, voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc en fait je vais partir sur ce lave-linge. Il y a plusieurs fonctions. Je pars sur une machine à laver de 12 kg. Le contenant à l'intérieur est beaucoup plus grand. Je ferai mes machines plus rapidement. Après je sais pas au niveau de l'étendage, j'aurai assez de place, je sais pas. J'ai trop hâte de recevoir ma machine à laver qui ne saurait tarder. Et je vous ferai montrer toutes les fonctions qu'elle a. Alors après avoir fait 2-3 magasins, j'ai craqué pour cette machine à laver de Electrolux. Je la trouve formidable, pratique à utiliser et avec plusieurs fonctions. Donc je suis partie sur celle-ci. L'intérieur était assez grand. Je pars sur une 12 kg. Les filles, le soleil est sorti. Donc je me dirige dans un magasin où je vais pouvoir trouver des bocaux. Pour tout ce qui est buanderie, je trouve ça tellement plus joli quand tout est bien rangé. Après si je ne trouve pas là-bas, et ben j'irai directement à Ikea puisque c'était prévu. Or tu dis coucou. Bon, allez, on essaye le premier magasin. Bon, là je n'ai pas forcément aimé la forme de ces bouteilles en plastique. Celle du bas était également en plastique, j'ai pas trop aimé. Et puis celle-ci faisait trop bocaux pour pâtes, donc ça ne m'a pas convenu du tout. Celui-ci était un peu plus joli, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Donc en fait je n'ai pas trouvé grand-chose, ne serait-ce que des produits pour laver le linge. Bah écoutez, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, donc on part directement à Ikea. Manque de chance, les bocaux que je pensais avoir sont en rupture de stock. Par contre, j'ai trouvé ce petit plateau où mettre mes petites bouteilles. C'est un plateau qui tourne et j'hésite énormément avec celui-ci. Alors, je pense que j'irai sur le plus grand. Ma petite planche à repasser que je poserai sur ma planche en bois. plutôt que de sortir la grande planche à repasser. Ça sert énormément. J'en ai profité pour reprendre un petit sac à linge pour armoire. J'ai pris également une petite étagère blanche que je mettrai dans ma buanderie pour poser des petites choses importantes. Ce que j'ai aimé dans ces crochets, c'est que vous avez juste à les coller. Donc ça se vend ou par 2 ou par 3 crochets. Donc je sais exactement ce que je vais accrocher dessus. Et par la même occasion, je vais prendre des rideaux en tissu qu'on colle au-dessus de la fenêtre pour un rendu beaucoup plus joli. Et voilà, mes petites courses sont enfin terminées. Je vais pouvoir rentrer à la maison et vous faire montrer les petites choses que j'ai achetées. Allez, vous avez droit à une chanson pour la route. Ok, alors on vient de rentrer. Je vous fais montrer ce qu'on a pris. Cette petite bougie est au citron et au patchouli. Franchement, l'odeur, le patchouli est assez fort. C'est pas tout le monde qui aime le patchouli. Moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci au jasmin et à la rose. Je sais pas ce que j'ai avec le jasmin ces derniers temps, mais je trouve cette odeur vraiment très agréable et apaisante. Je vous explique pourquoi je vous dis ça, parce que en fait, je continue toujours avec mon jasmin. C'est une petite brume à l'ambre, jasmin et mandarine. Et l'odeur est juste sensationnelle. C'était vraiment incroyable. Ça sent vraiment trop bon. En magasin, je l'ai juste testé. Il y avait quelques personnes, quelques femmes qui marchaient comme ça le long de l'allée. Elles ont toutes senti, elles ont pris tout aussi. Et franchement, j'adore l'odeur. Je pense que je l'utiliserai pour ma chambre à coucher, pour parfumer un petit peu l'été d'oreiller. J'aime beaucoup le matin, une fois que je fais mon lit, que j'aère ma chambre. Et j'aime bien tout simplement mettre des petits sprays de brume. Et vous pouvez aussi l'utiliser dans votre armoire, si vous avez une armoire, ou alors une buanderie où vous avez votre linge de maison, vos draps, vos thés d'oreiller, tout ça, vous pouvez en mettre. Ça parfume énormément. Et aussi sur vos sous-vêtements en fait. Mettre vraiment un petit coup de piche-piche. Voilà, moi j'aime bien. Ça sent toujours très bon. Ensuite, ma lessive préférée qui est la Lenor. Je l'aime bien parce que ça fait un petit peu... l'odeur, c'est un petit peu vanille chaud. Donc quand ça sort directement de la machine à laver, ça sent bon. Généralement, je mets aussi mes petites billes. Il y a des billes aussi qui sont de la même odeur. Et l'intensité de l'odeur dans la machine à laver est juste exceptionnelle. Et puis après, tout ce qui est sèche-linge, j'utilise aussi ces petites lingettes de Lenor. Pour celles qui ne savent pas, je vous le montre, qui ne connaissent pas, il y en a qui ne connaissent pas. Je vous l'ouvre, vous voyez, et vous avez des petites lingettes comme ceci. Elles sentent super bon et vous séchez votre linge avec. Et vous gardez tout le temps cette odeur de lessive. Je vous assure que les vêtements, c'est vraiment comme un parfum. Vous avez l'impression d'avoir un parfum sur vous, de bonne odeur, de fraîcheur. Et moi, ça, la lessive, c'est trop important. Et j'ai trouvé autre chose sous plat. Mais moi, je les ai trouvés trop beaux. Celui-là, c'est du beige irisé. Il est un petit peu pailleté. Je vous montre. Je trouvais ça beau. Et un autre qui est un petit peu plus mat pour ma machine à café. Je sais vraiment pas encore où je vais le placer. Changement de programme, ça n'ira pas sous la machine à café. Je le trouve super joli dans ma chambre à coucher, sur mon petit meuble. Concernant le dîner de ce soir, ce soir, je pense que je vais faire un gratin des mers dans des petits raviers. Une recette qui est très simple, qui est très facile. J'avais déjà préparé ça en fin d'après-midi, il y a à peu près 1 heure en fait. Là, actuellement, il est 18h30, donc je suis hyper easy, hyper détente. J'ai juste à mettre ça au four. Donc, j'ai juste en fait à me doucher, me mettre à l'aise et enfourner ça. Le livreur a un sacré retard. Voilà, il était vraiment censé venir à 4h. Je vois vraiment qu'il est 18h30. J'espère juste qu'il n'arrivera pas en plein milieu du repas. J'ai tellement de linge encore à laver. J'ai retiré ce matin tous les draps, les têtes d'oreiller, tout ça. Donc voilà, ça m'a fait pas mal de linge du coup à laver. Voilà les filles, j'attends avec impatience qu'il vient. Et je crois que ça sonne. Et oui, ma machine est arrivée. Le branchement se fera demain. Et pour l'instant, nous allons préparer le dîner. Ok les filles, donc là ce soir, je suis partie sur un petit repas assez rapide. J'ai préparé des gratins de mer. Donc moi, c'est comme ça que je les appelle, le gratin des mers. Donc je vous les fais montrer. En fait, c'est très très simple. Vous avez besoin de poissons blancs que vous faites bouillir dans l'eau. Ensuite, vous avez juste à ajouter de la crème liquide, un petit peu de sauce béchamel, du sel, du poivre, de la muscade. Et puis vous mélangez tout simplement ça avec un petit peu de parmesan. Et puis vous les mettez ou dans de jolis raviers. J'avais des raviers en coquillage. Franchement, je ne les trouve plus. J'ai cherché partout. D'ailleurs, je les avais achetés, si je m'en souviens bien, quand j'avais fait une excursion en Grèce. Et puis il y avait de très 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 jolis coquillages, en plus ils vont au four. Ce sont des sortes de coquillages, ce sont de vrais coquillages que j'ai ramenés de Grèce. Et puis je sais pas, j'ai dû les mettre dans des cartons, je les retrouve plus du tout. Mais bon, vous pouvez les faire dans des raviers, où vous voulez, tant que ça va au four, il n'y a aucun souci. En fait, c'est ces coquillages là, voilà, vous les avez en haut. Et figurez-vous que vous n'avez pas besoin d'aller en Grèce pour les acheter. Vous pouvez très bien les trouver sur AliExpress. Je vous mets le lien en barre d'adresse. C'est très très bon, surtout en compagnie d'une bonne petite salade verte. Donc les enfants en raffolent. Vous pouvez le faire cuire au Cookeo. Moi, très sincèrement, je le fais au Cookeo. Je mets mon poisson 6 minutes. Ça suffit amplement. Et puis votre poisson est prêt, vous l'émiettiez pas trop. En gros, vous n'avez qu'à gratiner puisque le poisson est déjà cuit. Donc au four, quelques minutes, vous surveillez, vous regardez. Et voilà, en tout cas c'est très très bon. Tadam ! Voilà le résultat. Si vous voulez la recette en détail, n'hésitez pas, notez-le moi en commentaire. Mon petit colis est arrivé ce matin. Je suis trop contente. Je les attendais. Je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai commandées. Je vous mets tout en barre d'inscription. Déjà, avoir une buanderie fonctionnelle avec tout ce dont nous avons besoin, ça c'est hyper important et je le recommande. Alors, je vais vous faire montrer des petites choses que j'ai reçues. Je l'adore. Je l'ai vraiment payé pas cher, je vous mets tout en barre d'infos. Ensuite, j'ai reçu un petit pommeau, vous voyez, avec une petite accroche au niveau du bâton. En fait, j'en ai commandé une, on m'en a livré deux. Donc ça, c'est pour la poussière. Du coup, j'en ai une en plus que je vais garder. Je mettrai un détachant ici avec ma petite brosse pour frotter les petites taches avant de les mettre en machine. J'ai aussi acheté chez Ikea, comme vous l'avez vu, ce petit accroche. Alors je pense que je mettrai dessus une petite brosse, voilà, tout ce dont j'ai besoin. Et je l'accrocherai en dessous de ma petite étagère. C'est de chez Ikea. Mon mari des fois a besoin d'une chemise repassage rapide, et ben voilà, hop. J'ai juste à la sortir et je la pose sur mon plan de travail dans ma buanderie. Et en plus, c'est bien parce qu'elle a un petit crochet. Et enfin, ma petite pépite que j'ai trouvée. Et je suis super contente. Je vous montre tout de suite et je l'ouvre avec vous. Alors, j'ai déjà ceci. Alors ça, c'est pour poser votre fer à repasser. C'est vraiment pour dépanner, histoire de ne pas sortir la planche. Ensuite, ce petit plan de travail pour le repassage qui va s'adapter vraiment sur mes machines à laver. Vous voyez, hop. Et puis je pourrais repasser un petit t-shirt, ce dont nous avons besoin rapidement. Et ça, je pense que c'est pour le repassage qui est un petit peu plus fragile. C'est vendu dans le lot. Je suis partie chercher ma planche. C'est une planche qui mesure 1,20 m sur 60 cm. Ça représente en fait mes deux machines, le sèche-linge, la machine à laver, qui sont collées l'une à l'autre. Et je suis en train de vernir ma petite planche en bois. J'ai utilisé un vernis tout simple pour le bois. Ma table est vernie. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle sèche. Donc je la laisse sécher avec le soleil. Et voilà, j'en profite maintenant pour pouvoir remplir mes petits bocaux. C'est tellement satisfaisant de remplir tous ces petits bocaux avec toutes ces bonnes odeurs. J'ai vraiment hâte que ma buanderie soit fonctionnelle. Bon, pour tout vous dire, c'est Or qui est en train de filmer et ça bouge un peu dans tous les sens. C'est dans un hôtel qu'une femme de chambre m'a donné cette astuce pour nettoyer toutes mes salles de bain. Vous avez juste à prendre de l'eau chaude, qui n'est pas bouillante mais chaude, la mettre dans un bol avec une petite gélule de la vaisselle à l'intérieur. Vous attendez qu'elle fonde et puis vous mélangez tout ça et vous les mettez dans des sprays. Et vous verrez vos salles de bain briller. Les petits extraits de senteur de chez Johnson Clean. N'importe quel autre extrait de senteur fera l'affaire avec mes petites boules de laine pour faire sécher mon linge plus rapidement. Ça, ce sont des copeaux de savon de Marseille quand je lave les chaussettes et ma poudre blanche pour mes serviettes. Ici, ce sont les petites lingettes dont je vous ai parlé hier pour faire sécher le linge avec une agréable odeur dans le sèche-linge. Ces bocaux en verre, vous les trouvez dans des tailles différentes. Vous pouvez sûrement les retrouver sur Amazon. Je pense pas que vous les trouverez à Action, mais sur Amazon, sans problème. Ce petit pot en plastique, je l'ai trouvé dans un magasin près de chez moi. Je mettrai sûrement mes pinces à linge à l'intérieur. Et cette petite cuillère, je l'ai achetée sur Amazon. AliExpress, je vous mets le lien en barre d'adresse. Troisième jour, organisation et rangement de ma buanderie. Donc voilà comment elle était avant. Donc je mettais tout dans un petit meuble blanc que j'ai acheté à Ikea. Mais ce n'était plus possible. Donc je pose mes rideaux que j'ai achetés sur une fenêtre que je n'utilise généralement pas, qui va me donner un rendu beaucoup plus esthétique pour mon mur. Et voilà. Alors, j'ai ici posé ma petite planche de bois que j'ai vernie, mes petits rideaux de chez Ikea et j'ai posé une petite étagère. Après tout ce qui est tuyau, on essaiera de cacher. Et voici mon sèche-linge et ma machine à laver. Je vous ferai montrer un petit peu les fonctions tout à l'heure. C'est parti, rangement de la buanderie. Mon panier à chaussettes que je dois laver, je ne les mélange jamais aux vêtements. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable, non ? Ici mon Tineco. Alors ça, c'est mon sèche-linge que j'adore, de Beko. Alors, je vous explique, en fait, il est hyper pratique parce qu'en fait, il y a plein de fonctions. Alors, la première fonction, c'est tout ce qui est linge rapide, coton, etc. Ici, on a une fonction ultra rapide. Ici, c'est pour tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est drap, linge fragile, tout ce qui est jean. Là, ici, j'ai même une possibilité, vous voyez, de régler le temps que je veux. Donc voilà, je peux mettre 20 minutes, 30 minutes. Je peux aller même jusqu'à 1 heure, d'accord? Et hop. Et vous avez aussi la lumière. On peut opter pour enlever la lumière. Vous voyez? Ou alors, je l'allume. Et il sèche très vite. Ensuite, je continue. Je l'arrête pour éviter le bruit. J'ai ici tout ce qui est linge synthétique, tout ce qui est serviette, tout ce qui est ultra fragile, tout ce qui est linge de sport. Franchement, il est hyper fonctionnel et je l'adore. Ma machine à laver de Electrolux, elle est géniale. Vous avez juste à appuyer ici, elle se met en route. On a ici... le lavage, généralement, moi, j'utilise cette fonction-là. Vous pouvez utiliser le mode de température que vous voulez. Vous voyez? Si vous avez la force de séchage, l'heure, le poids. Donc, j'ai ici une 12 kg. Vous avez même le mode silencieux ici. Après tout ça, je ne sais pas trop ce que c'est. En fait, je dois vraiment encore apprendre. Tout ce qui est pour repassage. Ça, c'est spécial repassage, linge délicat, à froid, synthétique, coton, ultra rapide. Pour les jeans, pour le linge anti-allergique. Tout ce qui est aussi drap, et d'oreiller, etc. Le mode rinçage et le mode rapide, quand on a vraiment des petites choses à laver rapidement. Je suis hyper contente de ma machine à laver. Elle est géniale, en plus elle est hyper profonde. Je suis super contente de mon achat. Alors, on ne mélange jamais pour celles qui ne savent pas. le linge noir avec le blanc. Alors surtout pas. Donc moi la machine que je vais faire maintenant c'est une machine de noir. Je la mélange généralement avec tout ce qui est marron, bordeaux et du jean. Et voilà les amours, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça va vous inspirer pour votre propre buanderie. Voilà, il n'y a rien d'agréable que d'avoir une buanderie fonctionnelle. Franchement, je suis hyper heureuse et encore plus contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.